nous voici donc dans la crypte archéologique qui est donc installée sous l'église Saint-Lucien, une crypte qui a été réalisée en 1978 lors d'une campagne de fouilles d'archéologie. Et c'est un patrimoine qui est particulièrement intéressant pour une ville comme La Courneuve, qui est souvent vue comme une ville au développement récent. On connaît son histoire contemporaine, mais on la compte pas forcément dans le temps long, dans le temps des siècles. Et la ville de La Courneuve a été tout d'abord un bourg rural qui fut occupé depuis des temps assez anciens. Les traces archéologiques les plus anciennes trouvées sur le territoire datent d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. On a une connaissance maintenant plus développée de l'histoire du haut Moyen-Âge, cette époque mérovingienne des 6e et 7e siècles après Jésus-Christ, qui était jusqu'aux années 110 assez peu connue sur le territoire. Et on a ici vraiment, dans ces travaux archéologiques qui ont été conduits, la preuve qu'il y avait un village habité de paysans qui pouvaient exploiter cette zone agricole qui a été appelée par la suite la Plaine des Vertus.